Elections. We thank you very much for talking to the press again. The Senate elections took place nationwide yesterday. Can you just update us on the recent consolidated statistics you have at elections, Cameroon? Thank you very much for giving me the opportunity to update the media on the real figures. You know, at the polling station, we generally account for different ballot papers. And sometimes there are some errors which are corrected at the regional level, the regional supervisory committees. So today, what I can say is the total number of registered voters for the senatorial elections is 10,112 registered voters. And those who casted their votes, their number is 9,909 municipal councillors who cancelled their votes. The participation rate is 97.72%. Only finally, after checking and cross-checking our numbers, finally only 203 municipal councillors didn't cast their vote. The final rate of those who didn't cast their vote is 2.28%. 2.28%. Est-ce que la question est-ce qu'on peut avoir le même chiffre en français? Je vous remercie de me donner l'opportunité. Ah, je vous remercie de me donner l'opportunité de donner les chiffres précis, aussi bien du nombre d'inscrits parmi les membres du collège électoral pour l'élection des sénateurs, que le nombre de votants est par déduction celui d'abstentionnistes. Après vérification de toutes les situations de dépouillement à l'issue du déroulement du vote le 25 mars 2018, nous avons rétabli les chiffres qui s'annoncent ainsi qu'ils suivent. Inscrit 10 112 conseillers municipaux, membres du collège électoral pour l'élection des sénateurs. Votants 9 909 conseillers municipaux qui ont rempli leur devoir civique, soit un taux de participation de 97,72%. 203 membres du collège électoral n'ont pas pu voter, sont donc des abstentionnistes, ce qui, en termes de pourcentage, représente 2,28%. Monsieur le Directeur Général, qu'est-ce qui explique que ces chiffres varient par rapport à ce que vous avez donné hier? La variation des chiffres par rapport à hier est le temps très limité entre le moment où, normalement, tous les bureaux de vote doivent être fermés, c'est-à-dire 18 heures, et le moment où nous nous sommes retrouvés. Il y a eu du retard dans l'acheminement des données et il y a eu aussi des problèmes de communication. Certaines données ont été transmises par souci de célérité, par voie vocale, et il y a eu de confusion. Nous avons préféré donner un nombre d'abstentionnistes élevé, quitte à ce qu'on le corrige, au lieu de donner un nombre d'abstentionnistes faibles et qu'on arrive à l'accroître, cela serait de nature à supprimer des votants. Alors que les chiffres que nous avons maintenant proviennent de toutes les corrections qui ont été effectuées non seulement après le dépouillement dans les bureaux de vote, mais aussi des chiffres corrigés au niveau des commissions régionales de supervision. Parlons justement de ces commissions régionales de supervision. Quel est leur rôle? La Commission régionale de supervision a un triple rôle.
D'abord, regrouper au sein de la région qui est la circonscription électorale pour l'élection des sénateurs l'ensemble des procès-verbaux qui proviennent des bureaux de vote implantés dans le département qui sont dans la région concernée. Une fois ce regroupement fait, on procède à la vérification des procès-verbaux, c'est-à-dire des différents chiffres. C'est ce qui a permis de détecter les erreurs. Mais la commission régionale de supervision n'a pas le droit d'annuler un procès-verbal, même s'il y a une erreur. La correction est portée sur un rapport qui lui-même est appuyé par un procès-verbal que tous les membres de la commission régionale de supervision signent. En d'autres termes, c'est un travail de correction et de préparation du travail de la commission nationale de recensement général de vote, qui, elle, siège dès lors que les commissions régionales ont envoyé l'ensemble de leurs procès-verbaux. Une chance. Monsieur le ministre.